Alors moi c'est Vurel du Rouge à Lait. Là je suis en CAP pâtisserie, je suis en deuxième année. Et précédemment j'étais en bac cuisine. Et vu que j'avais un petit projet commun avec mon pote d'ouvrir un restaurant, donc on s'est dit autant apprendre un peu chaque petit coin du métier. Donc du coup voilà. J'avais un pote qui était ici, donc c'est lui qui m'a orienté vers ici. Elle m'apporte beaucoup de connaissances sur ton pâtisserie, vu que c'était le niveau où j'avais des lacunes quand j'étais en cuisine. J'ai l'impression que je suis meilleur à pâtissier que cuisinier. Bah, en pâtisserie, c'est très bien. L'année dernière, on avait une prof qui était super cool. Là, cette année aussi, donc franchement, ça va. Là, on s'entraîne plus pour l'examen en fin d'année. On essaie d'avoir la méthodologie, l'organigramme du travail. De l'argent déjà et ça m'apporte aussi la connaissance sur le terrain aussi. C'est beaucoup mieux que de sortir d'une formation 100% école et de se retrouver directement dans. Je trouve que ça permet d'avoir le petit truc à petit coup. Genre 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines on est dans le speed du travail, 2 semaines on est ici, on a les cours théoriques. Donc franchement c'est super bien. Déjà, on avait un projet avec mon ami, c'était d'ouvrir un restaurant en île Maurice, vu qu'il est à moitié mauricien, et moi en Jamaïque, parce que j'aime la Jamaïque du coup. Je voulais un peu me lancer là, et probablement au Bénin, au Nigeria, mais deux pays d'origine aussi.